Et la lumière fonctionne, et la lumière fuit, c'est extraordinaire. Merci pour votre enthousiasme. En 2014, je me retrouve chez mon chirurgien et il me dit, Monsieur Poulart, je ne vous donne que 10% de chance que l'opération que vous voulez que je pratique ne réussisse. Vous imaginez un instant, vous êtes chez un chirurgien, un éminent chirurgien, vous avez expressément pris rendez-vous avec ce chirurgien-là parce qu'il a cette notoriété et cette réputation, et il vous dit que vous n'avez que 10% de chance que ça n'aboutisse. Comment réagiriez-vous ? Quand on vous dit que vous n'avez 10% de chance de réussir, on a le choix. Alors, comme un éternel optimiste peut réagir, intuitivement, je me suis dit, bah, 10%, c'est pas zéro. Si ça se trouve, avec 10%, c'est pas rien, on peut encore arriver. Voilà, il n'a pas dit que c'était impossible. Et me connaissant, et ça c'est une particularité des gens optimistes aussi, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans aussi, je suis même convaincu que s'il m'avait dit qu'il n'y avait aucune chance que ça réussisse, j'aurais été même capable de lui dire, et si j'étais l'exception ? J'aurais dit, allons-y quand même. Dans nos vies, on fait tous face à des moments où il faut qu'on prenne des décisions. Ma femme et moi, nous voulions avoir un enfant. C'était la raison pour laquelle j'avais été trouver ce chirurgien, parce que l'opération devait se faire chez moi et non pas chez ma femme. Votre ego en prend un coup. Et puis on vous dit que vous n'avez que 10% de chance d'y arriver. Vous les connaissez, ces moments dans votre vie où vous vous lancez, vous avez envie de faire quelque chose, et ce sont toujours ces personnes les plus bienveillantes dans votre entourage qui vous disent « Mais t'es dingue ou quoi ? Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? Non mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver. » D'autres l'ont fait avant toi, ils sont tous plantés. Alors tous bienveillants, parce qu'ils vous aiment, ils vous disent d'abandonner, de ne pas y aller, parce que de toute façon les statistiques le démontrent, et puis de toute façon c'est pas ta voie, tu devais être avocat. Tu ne voulais pas être jardinier dans ta vie ? Qu'est-ce que tu vas faire, infopreneur ? Info quoi ? C'est dingue le nombre de fois où on rencontre des gens qui disent que ce n'est pas possible. Et parfois, il faut faire face à des décisions. Est-ce que je le prends ou je ne le prends pas ? Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas ? Et là, on fait appel à ce qu'on appelle de l'audace. Ben oui, c'est moi qui commence, donc c'est moi qui vais commencer à vous expliquer ce que c'est que réellement l'audace, parce qu'on la confond souvent avec son grand frère. Oui, son grand frère, parce qu'il est beaucoup plus grand, c'est le courage. On confond souvent le courage et l'audace. Tiens, si je vous demande là maintenant de me donner la définition, ou en tout cas, quelle est la différence entre le courage et l'audace, je suis prêt à parier que vous allez avoir quelques difficultés à me donner la différence entre l'un et l'autre, parce qu'on les confond souvent l'un et l'autre. Laissez-moi faire une petite aparté. Le courage, c'est ce qu'on appelle la vertu du héros. Vous savez, ces héros qui vont en guerre, qui vont au front, ils ont la pétoche, mais ils y vont. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils y vont quand même. C'est une vertu qui nous permet de surmonter des épreuves, des difficultés de la vie. C'est cette vertu que nous avons en nous, chacun d'entre nous, nous en sommes tous dotés, oui. Soyez-en convaincus. Chacun d'entre vous, à un moment particulier de votre vie, vous avez fait preuve de courage parce qu'il fallait prendre une décision. Il fallait y aller, il fallait le faire. Vous n'aviez peut-être pas le choix, ou en tout cas c'était une question de survie, mais vous l'avez fait. Le courage, c'est avoir peur, c'est avoir des chocottes. Mais on y va parce que j'ai pas le choix, ou parce que tout simplement j'ai pas d'autre option. L'audace, en revanche, c'est autre chose. Autant le courage est lié à la peur, autant l'audace, c'est un choix. L'audace, c'est une disposition d'esprit qui porte à des actions difficiles, risquées et au mépris des obstacles. Vous les connaissez, les obstacles, vous les voyez, vous les anticipez et vous dites « j'y vais quand même ». Il y a un côté un peu maso chez l'audacieux. Et puis ça suffit pas. On va au mépris non seulement des obstacles mais aussi des préjugés. Des idées reçues, ben oui, parce qu'on fait tous face aux idées reçues des uns et des autres, parfois même des idées reçues qu'on a sur nous-mêmes. Parfois, nous sommes notre pire ennemi, nous sommes le meilleur avocat des autres et notre pire juge. Et puis aussi, à l'image que l'on a de soi. L'image que l'on a de soi. Et parfois, notre pire ennemi,
c'est nous-mêmes. Et je sais que certains intervenants vont en parler, et ça va être très intéressant, donc je ne vais pas spoiler leur conférence. Alors, des choix, moi, dans ma carrière, j'en ai eu. Aujourd'hui, Johan m'a introduit comme conférencier professionnel. Eh bien, il y a une quinzaine d'années, je voulais devenir conférencier professionnel. Tu parles d'un métier. Conférencier professionnel. Oui, enfin bon, tu vas parler en public, quoi. Ah, non. Non, non, je veux faire comme les Américains. Vous savez, les Américains, les grands prédicateurs, les grands pasteurs, et puis des Anthony Robbins. Enfin, vous les connaissez tous, hein. Je voulais devenir l'Anthony Robbins français. Eh bon, je sais. Ouais. J'y ai cru à ce moment-là, en tout cas. Alors, à l'époque, j'étais salarié, j'étais cadre commercial, et j'étais connu comme étant la personne probablement la plus audacieuse de l'entreprise parce que je faisais toujours tout ce que les autres n'osaient pas faire ou ne voulaient pas faire. Mais comme par hasard, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais la réputation d'être celui que, quand c'est impossible, allez voir Michel. Michel, c'était le bureau des impossibilités. Allez-y, il va vous trouver un truc de fou. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on vous prend pour un fou et qu'on va vers vous quand il s'agit de dénouer des problèmes. C'est une belle folie, non? C'est plutôt une belle folie, l'audace. Alors, l'audace d'être soi et l'audace de se faire confiance. Tout un sujet. Tout un sujet tellement grand que 18 minutes, c'est bien trop peu. Mais je vais vous partager avec vous une expérience qui m'est arrivée récemment, avec laquelle j'ai dû apprendre à faire confiance en mes propres capacités. Et vous connaissez l'adage « connais-toi toi-même ». Bon sang, mesdames et messieurs, apprenez à vous connaître réellement comme vous êtes, parce que si ça se trouve, vous pouvez et vous êtes capable de faire des choses beaucoup plus grandes que vous n'imaginez. Laissez-moi vous donner un exemple un peu cocasse. Nous sommes en 2007. Vous vous souvenez, en 2007, il y a les élections présidentielles. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous sentez venir? À l'époque, je portais des lunettes. Ça faisait à peu près ça. Voilà. Et vous connaissez quelqu'un qui me ressemble, qui passe à la télé tous les jours, qui est secrétaire général d'un parti et qui est également candidat aux élections présidentielles? C'est monsieur François Hollande. Et tous les jours, dans la rue, on m'aborde et on me demande si je suis monsieur François Hollande. Et c'est agaçant. Moi, quand je me lève et que je vais me coiffer dans le miroir le matin, c'est moi que je vois, c'est pas François Hollande. Et il m'est arrivé d'être avec des clients dans un restaurant parisien, je me souviens, et il y a un serveur qui tournait autour de la table et qui tournait autour de la table. Et à un moment donné, je vois, je comprends un petit peu qu'il est perturbé et je lui demande, dites, on peut faire quelque chose pour vous? Alors ça, c'est le truc, normalement, c'est lui qui nous le demande, mais là, c'est moi qui lui demandais. Il me regarde, il fait « Vous ne seriez pas François Hollande ?» Je dis « Si !» D'ailleurs, la note, vous l'envoyez à la rue de Solferino. Bon, il n'est pas tombé dans le piège, mais voilà. Et dans cette même période, j'ai dû apprendre à gérer quelque chose que je n'avais pas choisi. Je n'ai pas choisi ma tête. Et je n'ai pas choisi de ressembler à quelqu'un auquel je ne voulais pas être identifié. On m'aurait dit Brad Pitt. Mais non, c'était François Hollande. En plus, il a 14 ans de plus que moi, c'est pas très flatteur. Pour moi. On n'est pas dans la même énergie, c'est pas très flatteur. En fait, tout le long, pour moi, c'était pas flatteur. Et j'arrivais à une vraie crise d'identité. Et puis un jour, le téléphone sonne, et ce qui pouvait arriver est arrivé, et ce que je n'osais même pas imaginer est arrivé. Bonjour, monsieur Poulart. Nous vous avons vu sur les réseaux sociaux. Savez-vous que vous ressemblez à François Hollande? Oui, merci. Vous m'appelez pour ça? Rien à faire. Alors, je suis l'assistant de monsieur Christophe de Chavannes. Nous allons faire une émission sur le meilleur sosie. Nous avons déjà un sosie de Nicolas Sarkozy. C'est les élections. On aimerait bien avoir un sosie de François Hollande pour faire un petit sketch entre un sosie de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ce serait génial, non, de vous avoir dans l'émission. Et là, à cette époque-là, j'étais en plein développement de mon activité professionnelle, de conférencier professionnel. Et ayant une petite connaissance des médias et de l'impact que les médias peuvent avoir sur l'inconscient collectif, je sais pertinemment bien que quand vous avez une étiquette dans les médias, vous risquez de la porter toute votre vie avec vous. Et ça peut porter préjudice à votre carrière. Si je vous demande de me citer l'ennemi de Laura Ingalls, elle s'appelle ? Comment ? Nelly Olson. Vous savez qu'elle en souffre encore aujourd'hui de ce rôle. Parce qu'elle a toujours été la méchante
dans la petite maison dans la prairie. Je ne voulais pas avoir l'image de François Hollande toute ma carrière. Et je lui dis non. Je lui dis non. Non, 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 hors de question. Moi, ma carrière et mon rêve étaient beaucoup plus grands que de faire le pitre 5 minutes à la télévision. Il me rappelle 2 jours plus tard, je redis non. Il me rappelle 3 jours plus tard, je redis non. Et puis, à un moment donné, je me fais un auto-coaching et je me dis, attends, quand toi-même tu coaches des gens, tu leur demandes de faire un équilibre entre leur cœur et leur tête, entre le rationnel et l'irrationnel. Et au fond, mesdames et messieurs, je vais être honnête avec vous, l'enfant qui était en moi avait follement envie de passer à la télé, de faire le pitre à la télé. Mais le rationnel disait, non mais fais pas, fais pas. Et je me suis dit, et c'est là où je me suis fait confiance, je fais confiance en mes propres capacités de communication. Au pire, je passe à la télé, on me prend pour François Hollande pendant 5 minutes, je gérerai, je fais confiance, je trouverai une parade, je ne sais pas encore comment, mais je me suis fait confiance, quoi qu'il arrive, ça ne me portera pas préjudice, j'en avais décidé. Mais je me dis, je ne vais pas l'appeler, c'est lui qui me rappelle. Vous le croirez ou pas, dans l'après-midi, on me rappelle, je dis oui, euphorie totale au téléphone, j'ai Christophe de Chavannes au téléphone qui me remercie, je passe à la télé, j'ai ma petite minute de gloire sur TF1, et tout ce que je ne voulais pas est arrivé le lendemain, il y avait ma tronche dans tous les médias français. Vous allez sur Google, vous allez encore les trouver maintenant. Le sosie de François Hollande a fait la une de tous les médias, toute la presse people, etc. Et vous, d'ailleurs, bon, Google regarde tout ça. Et en fait, moi, en voyant ça, je me dis, eh mince, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Comment je fais? Eh bien, je me suis concentré sur l'essentiel. J'aurais pu perdre mon temps à m'apitoyer sur mon sort et à me dire, ça y est, je suis foutu. Je ne suis plus moi-même. Je n'ai plus qu'à devenir président de la République. Ou tout simplement me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi, c'est mon objectif, mon rêve, mon métier. Je me suis concentré là-dessus. Alors bien entendu, des propositions sont arrivées par centaines, et je n'exagère même pas, pour faire de la pub, pour faire des photos, pour aller au Japon, pour faire une pub avec des sosies du G8, et même pour faire du porno. Si, ils avaient un sosie de Julie Gayet. Alors je vous rassure, j'ai refusé. J'ai refusé. En refusant tout cela, je maîtrisais mon image, je maîtrisais ce que je faisais, je choisissais ce que je voulais bien faire. Et en fait, ce qui au départ était pour moi plutôt blessant, vexant, ne me mettait pas à l'aise, je me suis dit, et si je transformais ça pour en faire tout simplement, m'en amuser tout en maîtrisant mon image. Alors j'ai continué mon parcours de conférencier professionnel et je pense le réussir raisonnablement bien. Et puis, de temps en temps, arrivait une opportunité où j'ai pu jouer dans un film qui s'appelle Les Gamins, où je fais une première apparition en sosie de François Hollande. Je fais des apparitions dans plusieurs émissions de télé, mais que je choisis soigneusement pour faire attention à mon image. Et à nouveau, parce que je me faisais confiance et je sais ce que je vaux, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et j'ai réussi à faire de cela un levier qui m'a permis de vivre une expérience extraordinaire, mesdames et messieurs. Il y a quelques mois de cela, on m'appelle pour tourner un film avec, pour réalisateur, Fabien Antoniente, le réalisateur de Camping, pour jouer un vrai rôle, le rôle de François Hollande, bien entendu, il ne faut pas être fou, hein, mais un vrai rôle. Et en fait, ce qui, au départ, était plus un handicap, en tout cas que je considérais plus qu'un handicap qu'autre chose, m'a permis de vivre une expérience extraordinaire. Je me suis retrouvé dans les mêmes environnements que des Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, et j'ai pu tourner dans un film pendant 2 semaines en Guadeloupe, dans un film qui va sortir en mois de janvier 2019. Vous vous rendez compte si je m'étais réfugié dans du mutisme, ou en tout cas réfugié dans cette image d'un François Hollande, et je m'étais victimisé, et que j'aurais tout refusé, que je m'étais aigri, eh bien je me serais probablement privé d'une expérience exceptionnelle et unique qui n'arrive peut-être qu'une fois dans la vie, mais que tu as envie de vivre, qui refuserait un jour de participer dans un film de cette ampleur. Pas grand monde. Alors laissez-moi partager avec vous quelques images pour partager avec vous ce bonheur et vous montrer un petit peu, vous donner un peu l'impression de ce que ça peut être un tournage. Regardez.
Tu m'as fait peur, mon pote. Dégage ou je te tape. Je te tape. T'as pas compris, je veux pas aller à l'aéroport tellement j'en peux plus de voir ta gueule. Bruno. Ah, c'est le coup de la colère. Tu peux pas attendre la fin des vacances. En plus, ça va te coûter les ronds, là. Action. Allez, vite nous la piscine. On a l'honneur de partager un cours de journalisme. J'ai repris le boulot de... j'ai repris le job à Pierre et Vacances. Allez, on va répéter s'il vous plaît. Allez, on va répéter, libérons. Se mettre à ta gauche, avec le canadien. Ça va, c'est où le tube à roulettes? Un sens opérateur. Terry. Surtout des mamans. Je pense pas qu'il aura le temps de monter les deux. Alors le tournage touche à sa fin? Eh oui, bientôt. Comment ça a été? Merveilleux. C'est vrai? Ouais. On a fait un très beau film. Avec beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, des personnages auxquels on s'attache, qu'on aime. Et voilà, un film qu'on va tous avoir envie d'aller voir. C'est vrai? Ouais. Bon, bah alors on va y aller alors. Allez. En tout cas, merci. Je t'en prie. Ciao. Je pensais qu'il était impossible pour moi de gérer cette image. Et aujourd'hui, j'arrive non seulement à m'en amuser, mais à vivre une expérience extraordinaire comme vous venez de le voir là. Mesdames et messieurs, parfois... nous allons douter de nous, et c'est parfois normal. Et parfois, on vous dira que ce n'est pas possible, c'est peut-être pas possible. Ce que je peux vous dire, c'est que les optimistes savent qu'ils ne sont pas à l'abri des tempêtes, mais ils sont convaincus qu'aucune d'elles ne les submergera. Alors, oui, bien entendu, ça peut être parfois difficile. Vous aurez probablement des portes qui se ferment à vous. Vous entendrez que vous n'êtes pas la bonne personne, pas la bonne place, que vous n'avez pas assez de compétences, pas assez de capacités, que c'est peut-être pas le bon moment. Vous aurez peut-être non seulement des portes qui se ferment, mais aussi des fenêtres qui se ferment. Mais c'est là où vous devrez vous raccrocher à ce que vous savez de vous, à vos capacités, ce que vous faites de meilleur, ce que vous avez de meilleur en vous, de plus fort en vous. Parce que c'est là où vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est en s'appuyant sur ce que vous faites de meilleur. Et quand vous le faites et vous vous lancez, c'est là que le miracle s'opère. Musique, s'il vous plaît. Louis a maintenant 6 mois. C'est notre enfant du 10% de chance. À vous de jouer. Tout est entre vos mains. Je vous remercie.